I want you to get together. Put your hands together one time. I want you, and you please, 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 and you please,
On and on and on and on and on.
Thank you.
Yeah.
Oh.
Religion
This is how it started. My dreams are broken hearted. Yeah, I want you. Resilience.
Un maximum d'applaudissements pour Cassius. Et pour vous les cocos, franchement, bravo. Bon, on va passer à l'interview de Cassius dans le château. Donc les gens qui sont en ligne, restez en ligne. Et pour vous, mesdames, messieurs, je vous demande un maximum de bruit pour Grégogé. 1-2. Eh bien, bonsoir Cassius. Ça va les gars? Comment ça vous va, sentez ce soir? Bah écoute, plutôt bien, c'est bien. Ouais, je suis très content et surtout les gens sont fous parce qu'ils sont restés. Normalement, on s'est dit en France, quand il pleut, les gens s'en vont, mais là, ils sont restés. Eh ben non. Un lundi soir, sous la pluie, ils sont venus pour vous c'est voir. C'est comme en Angleterre maintenant en France. Ouais, voilà. Non, mais ouais, c'est vrai que ça s'est peut-être pas vu en ligne, mais il a plu tout du long. Il a plu tout le long du set. Voilà. On a senti un peu, on avait des petites gouttes sur mon crâne, là, c'était pas mal. J'imagine. Bon, alors on va faire une petite interview, parler un peu de vous. Bon, il y a beaucoup de monde qui vous connaît. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, déjà, je voulais savoir comment est-ce que vous êtes rencontrés. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre à la base, il y a dans les années 80, il me semble. Ouais, dans les années 90, en fait, j'étais l'assistant de son père. Et un jour, tu venais chercher les clés ou je ne sais même pas quoi. D'ailleurs. Ou de l'argent, ou peut-être de l'argent, un truc de base. Et son père arrêtait pas de me parler de lui en me disant « Ouais, mon fils, il est super, etc. » Puis il s'entendait hyper bien avec son père. Ça faisait 2 ans que j'étais son assistant. Et puis Hubert est venu au studio et en 2 minutes, on était les meilleurs potes du monde. Et on s'est jamais plus quittés. C'est beau. Et c'est dans le studio où on a fait tous nos débuts d'ailleurs. C'était un studio hyper important pour nous. Vous êtes resté dans le studio mob, là, on a fait Solar. Oui, absolument. Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Et d'ailleurs, vous êtes parti sur le hip-hop au début, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé vers la musique électronique, même si on sent toujours des teintes hip-hop? Écoute, moi j'étais à fond dans la techno à cette époque-là, ouais. Et j'ai arrêté pas d'en parler à Hubert, et en fait on s'est retrouvé dans la house, il est sorti en boîte. Ça plaisait pas trop à Hubert, il me semble. Non, c'est pas que ça me plaisait pas, c'est que je pense que c'était un âge où on pouvait pas être dans plusieurs mouvements en même temps. Moi j'étais dans le hip-hop et je lui faisais découvrir des trucs, lui était dans la techno, il me faisait découvrir des trucs. Mais c'était un moment où on ne peut pas vraiment être dans plusieurs mouvements en même temps, c'est un truc de génération. Et en fait, après, par les disques, par les soirées, et en sortant, j'ai découvert aussi le plaisir des morceaux plus rapides et le plaisir de la danse, que je n'étais pas vraiment un danseur de hip-hop, ni d'ailleurs un danseur de techno, mais voilà, c'était le mélange. Et puis c'était le moyen de faire de la musique ensemble aussi. Et qu'est-ce que vous écoutez, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous écoutez par exemple en ce moment, quand vous êtes chez vous tranquillement? Moi, j'écoute Ella Fitzgerald et Frank Sinatra, donc c'est pas vraiment. Mais sinon. Non, mais si, ça King m'intéresse. Krull. Non, il y a aussi King Krull que j'écoute beaucoup en ce moment. Mais sinon, je préfère écouter, me nourrir de vieux trucs à la maison. Et comme on n'arrête pas de jouer, on entend beaucoup de musique et on achète des disques aussi de tout ce qui est house. À parler plus fort? Ouais. Je parle très fort, hein, j'ai une voix. Ouais, de ténor. Désolé. Non, mais on écoute beaucoup de musique, mais on aime bien tous les deux se nourrir de vieux trucs pour justement pas être trop influencé non plus par ce qui peut se faire maintenant. Ouais, okay. Ça, c'est un truc hyper important, moi je trouve, pas hyper important, mais quand on fait nos disques ou quand on produit, moi quand je produis un disque, j'essaie de pas trop écouter ce qui est en train de se faire, parce que sinon obligatoirement ça te rentre en toi comme une éponge et tu te retrouves à faire un peu le même son que tout le monde. Du coup, nous on a toujours mis un point d'honneur à faire un truc un peu différent, à pas être là où on nous attend. Et vous avez sorti votre dernier album, Ibifornia, l'année dernière. Pourquoi avoir attendu 10 ans avant de sortir un nouvel album? En fait, c'est plus... On n'a pas attendu 10 ans pour faire un album, oui, parce qu'on a fait Love You So au milieu. Mais c'est surtout parce que c'est l'occasion qu'ils aient le... Si moi, j'étais parti dans une carrière de producteur pendant plusieurs années. J'en ai fait beaucoup. S'il vous plaît, les gars. Fermez. J'ai fait beaucoup de disques et du coup, on se rendait même plus compte que les années passaient. Du coup, on a fait l'album et là, pour te dire à toi, on vient de faire un album là en 6 semaines qui est fini, donc on n'aura pas attendu 10 ans pour le prochain. Ah, le prochain, ça c'est une belle exclu. Avant l'été. Ah bah ça fait on plaisir. On l'a encore pas dit. On est en train de le finir, on l'aura fini en 3 semaines. On s'est mis un point d'honneur à le faire en 6 semaines. Il est hyper jeté et je crois qu'il est vraiment charmé. Ouais. C'est sorti comme ça en 6 semaines. C'est sorti comme ça parce que justement, je pense que dans toutes les interviews où on nous disait ouais, pourquoi vous avez attendu 10 ans, on a aussi réalisé que peut-être passer autant de temps à faire un disque, c'est pas obligatoirement la meilleure solution. Et que parfois, faire un disque très rapidement, comme faisaient les mecs dans les années 70, 80, où on faisait un disque en 3 semaines, un mois, c'est quand même, ça a un côté vraiment fantastique parce que tu peux te lâcher, t'as pas le temps de trop réfléchir. Et du coup, il y a un truc un peu plus spontané. Donc là, vous êtes vraiment mis en studio en vous disant, on va faire un album, quoi, c'est ça? On s'est non seulement mis en studio pour faire un album, mais on s'est dit, on va faire un album en 6 semaines, on va le finir avant le jour de Noël. On veut le finir avant le jour de Noël. Ah, ok. Et là, on a carrément presque fini.
Mortel. Je vais checker s'il y a des questions en ligne. D'ailleurs, j'en profite. À vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas. Après, on peut le poser là. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Cassius, n'hésitez pas. Là, je vais les poser parce que c'est important. Nous, on préfère privilégier vos questions aux nôtres. Alors, je vais checker tout de suite. Très bien, c'est une très bonne idée. Alors, je check. Bon. Non mais en fait comme je vous ai pas demandé de poser des questions, c'est normal, vous n'en ayez pas encore posé. Donc je vous laisse encore 10-15 secondes et puis voilà, j'essaye de voir. Cassius, les meilleurs des meilleurs. Bon, en tout cas vous avez séduit la foule ce soir. Non mais la je dois te dire, vraiment j'insiste là-dessus. Avec Hubert on a fait quand même, grâce à Cassius, on a tourné, on a fait le tour du monde. Et il n'y a que deux endroits, il y a trois endroits au monde. Bah t'es allé, quatre. Mais vraiment il y en a trois où les gens restent quand il pleut. C'est l'Angleterre. Alors là, ils s'en foutent. Puisqu'il pleut tout le temps, de toute façon. Pas. L'Australie. Ah ouais ? Ouais, et la Belgique. Ailleurs, quand il pleut, en général, t'es hyper déçu parce que tout le monde se barre à un moment donné ou à un autre. Là, honnêtement, là, je tiens à tirer mon chapeau à tous ces kids ce soir parce que vraiment, quand je suis parti de chez moi en me disant « Merde, il pleut », j'étais mais dégoûté quand j'ai su que c'était dehors. Pour vous aussi, pour tout le monde. Nous aussi, on était dégoûtés, mais en fait... Ça rajoute un petit truc. Et nous-mêmes, à un moment donné, on s'est dit « Il faut tout... » Enfin, on essaie de donner parce que les kids sont là, quoi. C'est un peu ringard, ce que je dis, mais c'est la vérité. Non, mais c'est... En plus, je crois qu'il y a eu des commentaires qui ont dit exactement ça. Il y avait quelqu'un qui a dit « Ouais, moi, j'ai été, je vous ai vu à Calvi et vous avez tout donné. » Et là, c'est pareil, vous donnez tout alors qu'il pleut, donc voilà. On donne toujours... Mais nous, on était protégés, là, donc on peut pas... On est là, des petits bourgeois sous une tente, mais pour les autres gens... Et même quoi qu'il arrive, je pense que c'est un peu comme les Américains qui disent quoi qu'il arrive, même s'il y a deux personnes, il faut faire le show. Ouais, ouais. Là, en plus, avec les gens étaient vraiment hyper fiers, les gens étaient super à fond, c'est hyper glorifiant, enfin hyper enrichissant, c'est super. Ouais, gratifiant quoi. Gratifiant, pardon. Je vais chercher mes mots. Et glorifiant, d'ailleurs. J'attends ma statue qui est là. Du coup, je check les questions. Ah bah là, du coup, il y en a plein. Alors vas-y. Why I love you. Bon, alors, est-ce que vous allez reprendre la scène française? Je comprends pas la question. Voilà, oui, c'est ça. Des 10 dernières années, c'est notre prochain album. On l'attend. Voilà. Raphaël Rafouer qui demande quelles sont vos influences. Les influences? Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. On a beaucoup, en fait, chacun. On a une grande culture, enfin, une grande, sans prétention, mais ça fait des années et des siècles qu'on écoute de la musique, donc on a une culture très large. Mais moi, j'ai une très très forte influence de la musique noire américaine ou anglaise ou je ne sais pas, africaine. C'est par le rythme et par le côté sueur qu'il y a dans cette musique. Et aussi une forte influence du rock et du jazz. Et Philippe a tout ça aussi, mais avec un côté plus rock ou hard rock même que moi, j'avais pas. Et qui est intéressant dans le mélange, parce qu'il y a un truc qui casse un peu le côté trop funk, je ne sais pas comment expliquer. Et je pense qu'on peut faire un parallèle, moi j'ai fait un parallèle très rapidement entre le blues, la house, le hip-hop, la techno, toutes ces musiques qui sont des musiques de quand même de... Moi j'aime beaucoup les musiques de réaction, de musiques presque de révolution. Quand j'ai été rêveur, j'étais tellement heureux parce que c'était le seul moment de ma vie. Quand j'étais petit, je voulais être punk, mais j'avais 14 ans ou 13 ans ou 12 ans, c'était ridicule. J'habitais en Savoie, j'étais hyper ringard. Là, j'étais rêveur, je faisais partie d'un mouvement, c'était magnifique, c'était une sorte de révolution. Après, c'est devenu ce que c'est devenu et c'est devenu ce que c'est maintenant. Mais je crois que ce truc de révolution, en tout cas, a toujours été pour moi hyper, hyper important. Et comme Hubert, la musique noire américaine, que ce soit le blues, le rock ou tout ça, la soul, ça a toujours été vraiment une grosse, grosse influence. Ok. Et on parlait d'MC Solar au début de cette interview. Comment vous trouvez que le rap français a évolué ces dernières années? Le rap français a complètement changé. Moi, j'ai ma fille qui m'en fait écouter beaucoup. Ça s'est complètement transformé. Ça ressemble beaucoup plus au rap américain, dans le sens où c'est beaucoup plus gangsta. Il y a des mecs qui racontent un peu. C'est fictif, mais c'est assez drôle. Moi, il y a des trucs qui me font trop marrer. Caris me fait trop marrer. Enfin, il y a plein de... Bah, quand je dis me fait trop marrer, tout respect que j'ai pour toi, Caris. Oui, oui. Mais vraiment, il y a des trucs super. Et on a connu ça parce qu'on a aussi bossé sur Démocrate D, les sages-poètes de la rue, tous ces groupes qui étaient le pionnier en France d'un rap à plus underground. Et je découvre maintenant que c'est en fait ça, finalement, la norme maintenant. Ok, je vais checker s'il y a d'autres questions. Voilà, bah ça c'est une question que j'aime bien poser d'ailleurs. La question de Flavien, quel est le meilleur conseil que vous pourrez donner aux jeunes DJ? Et merci à vous, c'était très lourd. Alors moi pour un jeune DJ, j'ai un conseil énorme, c'est ne pas, surtout pas aller trop vite.
Et vraiment, le côté bedroom DJ, pour moi, ça a été la clé. J'ai été bedroom DJ pendant 4 ans dans ma chambre. Mais c'est tout seul dans ta chambre avec tes potes. Pas tout seul, tu rentres de rêve ou quoi que ce soit, il y a des gens qui viennent, tu fais une petite fête, mais après, tu es blindé. Tu peux pas... Parce qu'à 7 ans, il se passe un truc. Un mec sort un track sur Internet, ça cartonne, on l'envoie au milieu du monde, il est tout perdu, etc. Je pense que pour un jeune DJ, je m'entraînerai chez moi des heures, pour qu'il puisse t'arriver n'importe quoi. Nous, tu vois, je suis arrivé en retard, une minute avant de jouer, pof, tu joues, t'attaques comme si ça faisait 2 heures que tu étais là. Ça, c'est la première chose. Il y a un truc aussi, après ça, le plus important, c'est de jamais oublier que tu mets de la musique pour les autres. C'est-à-dire que les gens viennent, des fois ils viennent te voir, mais ils viennent pour danser ou pour triper, donc il faut toujours s'adapter. Je pense qu'il faut les playlists, c'est bien préparé, mais il y a un moment ou un autre, si ça prend pas, il faut toujours être capable de se retourner et de jamais oublier qu'il faut donner du plaisir. Et ça, c'est comme pour la différence d'un concert, c'est il faut connaître ses disques quoi aussi et être capable de se mettre en danger. Et justement, pour rebondir sur ce que dit Hubert, je crois que l'humilité c'est hyper important parce que DJ c'est qu'un DJ. Tu passes la musique d'autres gens. Et avec ce nouveau monde où tout le monde, où tous les DJs sont des superstars, je pense que c'est très important de garder en tête le fait que c'est un disc jockey. C'est vraiment, on met de la musique pour faire éclater les gens, c'est vraiment important. Et rester libre, très important de rester libre. Bah, merci beaucoup pour cette réponse était super complète. Non, merci les gars, ça nous a fait vraiment plaisir de vous avoir ce soir. Et nous, c'était super cool, franchement. Depuis le temps qu'on doit le faire, ce truc. Ouais, c'est sûr, ça fait longtemps qu'on en parle, n'est-ce pas ? De no-go, là. Voilà, mais là, c'est... On l'aurait fait la semaine dernière, il faisait hyper beau. Ouais, mais bon, au final... Temps, on pouvait pas faire... Nous, il nous faut un château, quoi. Sinon, oui, on voilà. Pas, là, il y a un château, c'est parfait. Voilà. On est venu. Il y a pas un mec qui l'a fait à la Tour Eiffel, il n'y a pas Coach qui l'a fait à la Tour Eiffel, c'est ouais, pas vous, Coach, ça, lundi dernier, ouais. La mais prochaine bon, fois, la Tour Eiffel, les gars. Seul au premier étage. Ouais, là, au moins, il y avait le public. Là, avait du monde. Exactement. Moi, nous, on veut être au milieu des gens. Et c'est un vrai problème actuellement. C'est avec nos tarifs ou avec nos machins ou trucs. On se retrouve toujours dans des grandes scènes devant des gens à 15 mètres. Et là, être là, collé aux gens que tu regardes, ils sont pas contents, ils sont contents. C'est vraiment important. Ouais, ouais, ouais. De le sentir, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que quand tu as une scène à 40 mètres de toi, enfin, le public à 40 mètres, c'est plus compliqué. Bon, on va finir. Je vois que t'as une question mystère, là. Voilà, non, c'est la boîte mystère. C'est la petite. La petite tradition chez Cercle. Donc c'est un cadeau qu'on offre à nos invités et là cette fois-ci c'est le château de Champs-sur-Marne qui vous offre ce cadeau. Voilà, Jenny Le Bar qui est là. Bonjour madame, enchanté, ravi. Philippe. Merci à vous parce que vous avez réussi en une soirée ce que j'arrive pas à faire depuis 2 ans, faire venir 1000 jeunes de 18 à 35 ans. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Ouais, je vais me mettre, crois même en avoir un de 40 ans. Merci à vous, super. C'est trop cool. Voilà. Et merci pour le Bretel Château. Alors, les petits cadeaux. Ah, le cadeau. Et j'espère qu'il y en a 2 cadeaux parce qu'on n'habite pas ensemble. Il y en a même plus que 2. Ah merde, bon, pas le coup. Voilà, je vous laisse découvrir. J'y vais ? Ouais, ça va pas exploser. Alors, chez moi, on arrache les cadeaux. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Oh là là, trop bien. Alors, ça, c'est peut-être plutôt pour vos enfants. Voilà. Un cahier de recettes. Enfin. Ouais. Voilà. Et là. Une monographie qui vient de sortir sur le château de Champs-sur-Marne, très intéressante sur l'histoire, l'architecture. Et ça, un petit pot de miel fabriqué avec les ruches du château. Oh, on a 12 ruches dans le Hubert. Voilà. Ouais, moi je suis malade en pour plus, je suis malade comme un chien. Voilà, c'est parfait. Et ben c'est parfait. Je bois cul sec le pot de miel. Merci à vous. Merci hein. Beaucoup, merci. C'est trop gentil. Merci beaucoup en tout cas, Cassius. C'était merci. Un plaisir. Attends, de vous recevoir. Pourquoi oui. Cercle au départ Je pense que c'est plus pour le symbole du cercle, d'accord. Le symbole de l'unité. Très bien. Que ça nous est venu, je pense. C'est bien. C'est super aidé, mon pote. Voilà. Bah, merci beaucoup, les gars. Cool. Et puis, merci à nos partenaires qui vont s'afficher sur l'écran. Merci beaucoup au château de Champs-sur-Marne, on l'a déjà dit, et au centre des monuments nationaux qui nous a accueillis ce soir. C'est pas toujours qu'on accepte et qu'on accueille une soirée électro comme ça. Donc, merci beaucoup à eux pour leur confiance. Et puis, je vous dis à lundi prochain pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, ciao. Déjà là. Ouais. Bon, merci. C'est vrai que vous finissez.